ici, non pas M. Yvenson Frank, pour présenter au téléjournal Asoya. Rapidement, mais plus gros point, nous allons développer pour vous. Pigou point cap domine actualité à ministère communication recevoir lundi 2 avril là secrétaire d'état financement Ronald Décembre avec directeur général de GIA Miradin Morlan sous processus paiement avec déclaration en ligne. Tout le monde n'a qu'à exploiter bien l'État qui paye un papier légal gagnant prolongation jusqu'à 30 avril pour le régulariser yo sous question droit fémage avec impôt locatif dans DGI. Directeur général Impoa Miradin Morlan fait annoncer lundi 2 avril. Coordination Alternativa Haïti en tête collée à groupe Action francophone pour environnement lancé jeudi à 4e édition Village Alternativa. Une activité qui a déroulé 6 à 7 avril dans la commune Inche et dans Bassin-Zim. Professeur Yves Desjean mourit jeudi 29 mars passé à 90 l'année. Bureau secrétaire d'État pour l'alphabétisation et puis Académie créole haïtien exprimé regret yo pour l'amorça. Professeur Yves Desjean, t'es une linguiste qui travaille à produit dans la langue créole. Plusieurs parlementaires saliés, disposition président république là, Jovenel Moïse, pour mettre campé comité pilotage État généraux sectoriel. L'autre bord de l'eau, Rwini Madikizela Mandela, ancien Madame Nelson Mandela, mourit lundi 2 avril, là, dans l'âge 81 l'année, après une maladie, l'étape souffrit depuis plusieurs temps. C'est point ça, il y a campé l'autre, nous allons développer pour vous. Restez branchés, Naptounet. Amis téléspectateurs, bienvenue dans le développement journal, là, dans le cadre de la 37e conférence, les lundis de la presse. Ministère communication recevoir lundi 2 avril là, secrétaire d'État financement Ronald Décembre avec directeur général Impoa Miradin Morlan. Dans l'occasion, intervenant au palais sous processus paiement avec déclaration en ligne. Yon compte rendu Rachel Saint-Faux avec l'Aurore Dali Jean-Jacques. Service pour faire déclaration et puis payer en ligne disponible. À partir de ça, www.dgi.gouv.ht. D'après responsable direction générale Impoa. Service ça valable pour moun ak entreprise. D'après secrétaire d'État finance Ronald Décembre, opération ça arrive possible grâce à un accord tripartite Banque République d'Haïti BRH signé ak diverses banques commerciales tant que BNC, Soge Bank, Unibank, Capital Bank ak ministère économie ak finance. Ou entrer sur DGI www.dgi.gouv.ht ou connecter à système DGIA ou rempli formulaire d'impôt que vous voulez remplir. Si c'est déclaration définitive d'impôt à remplir, vous montez sur formulaire déclaration définitive d'impôt. Si c'est patente à payer, vous montez sur page qui est liée à patente. Si c'est taxe salariale, si c'est impôt sur bénéfice, si c'est prélèvement à la source, eh bien, toute possibilité ça y offre à contribuable là pour le capable de faire paiement en ligne. Mais pour paiement ça a fait, il faut contribuable là capable gon banque côté que le gon compte la donne le fin rentrer rempli formulaire là et bien li téléporter formulaire là sous banque côté que le gen cob que le ka payer le fin voyer formulaire sous banque là recevoir formulaire là et puis banque là fait un spill voyer by BRH. BRH accusé montant, alors forme de contribuable ça, bité, et puis là le crédité contre trésor public. Pour montant et impôt, contre trésor public crédité, yon retourne par contribuable là, yon forme d'encaissement qui dit que contribuable ça, li paye impôt. Nous-mêmes DGI, nous avons un souci pour nous capables toujours offrir des services de proximité. À contribuer à bio avec nouveau système que nous prenons mettre en place. Nous connaissons que même Jean le fait dans la douane, il y a une transaction pour le faire dans la douane, il faut que vous gagnez un beau cœur. Côté que vous mettez à disposition pour faire qui pour aider au rempli
et opération ça yo. Et bien dans DGI tout faut que nous gagnions moun qui est agence qui agréé et que nous met nous pral faut passer par la DGI quand même pour nous capable bay moun sou accès dans système nan. Directeur technologie direction générale impôt Serge Rosenthal explique responsable DGI a déjà commencé travail pour offrir contribuable yo yon série service additionnel à partir téléphone yo. Ça c'est en première itération de paiement en ligne là. D'accord? C'est première génération paiement en ligne de DGI et qui pral vin là. Jean DGI en dit nous pral gagner de on nouvelle et génération qui pral venir très bientôt qui pral venir avec une série de l'autre une série de l'autre service additionnel. OK, parmi lesquels nous pral gagner possibilité pour nous joindre certificat de patente et de quitus directement à partir de nouvelles plateformes ça nous pral capable et faire des paiements à travers le téléphone nous d'accord donc si par exemple nous gagnons et nous besoin on paye un certificat de bonne vie et mœurs ou bien nous besoin payer un thème passeport nous pas obligé venir dans DGI et j'ai nous connaît un pile monde qui pas gain accès à internet tout parce que ça son plateforme qui disponible directement sur internet mais DGI dans un souci pour bail tout contribuable service libéral mettez de service pour monde qui peut-être qui pas même gagné qui n'a pas une capacité pour aller sur plateforme ça. Directeur général impôt a fait qu'on est à travailler pour moderniser système non et puis améliorer qualité service et offrir population nouvelle disposition ça vise réduire attroupement dans bureau de GIO et puis porter service là plus près population. Directeur général Impoa Miradin Morlan annoncé une prolongation jusqu'à 30 avril comme délai pour question droit fémage à impôt locatif. Miradin Morlan invité tout le monde qui pas en règle à la régler causé yo pour pas tomber en bas sanction la loi. Il invité tout le monde qui a exploité bien l'État qui pas gain papier passé légalisé yo pour yo qu'a enregistré dans système là. En suivant extrait Namiko Rachel Saint-Fort avec Darly Laurent Jean-Jacques. M'a tout rappelé contribuable yo que nous te gain un délai pour question de droit de fermage et impôt locatif qui t'a prend fin le 31 mars. Toujours est-il dans bonne foi dans quatre bonnes fois direction générale là nous décidé pas en prolongation jusqu'au 30 avril. Jusqu'au 30 avril, tout le monde qui censé c'est fermier de l'État ou bien un monde qui pas qu'au fermier de l'État qui t'a même vinn fermier de l'État parce que déjà gon bien l'État dans monde déjà ou exploité ou gain jusqu'au 30 avril pour venir mettre en règle avec le fisc. Nous pral tande le pral ouler sur et nous on spot publicitaire qui va parler de et moun ki pa vin paye yo moun ki se fermier pour yon raison ou pour yon l'autre yo pa vin paye DGI et bien DGI gen toute autorité li pour le faire pour le rapatrier bien ça nan mon parce que nous pas capable exploiter bien l'État comme ça et que nous connaissons l'État pour l'exister c'est ou même qui pour contribuer et puis ou pas les payer l'État le ça nous pas pa gen personne monde cap ka di nou rien et que la loi avec la loi nan men nous n'a pas capable river effectivement rapatrier bien l'État qui nan mon an ko pa payer pour li a et tout monde tout cap fonctionnant en clandestinité c'est-à-dire qui pas et pas vrai monde connaît nous pral chercher yo. Nous allons chercher yo depuis qu'on a nous qui t'engage une brigade nous qui dehors automatiquement nous joignons nous ça c'est maonage t'a fait c'est évasion t'a fait et bien la loi dit comment pour nous capable river traiter avec nous ça. J'ai noté annoncé dans Titio Académie créole haïtien fait qu'on est y apprendre avec en pile tristesse la mort linguiste Yves Desjean qui mourit semaine passée à Yves Desjeans fête Port-au-Prince dans date 16 mai 1927. Il étudiait philosophie et théologie jusqu'à ce qu'il ait ordonné la paix dans l'année 1952. Entre 1953 et 1969, il était occupé plusieurs postes comme paix dans l'église catholique dans Port-au-Prince au Cap à Port-Sali. Bureau secrétaire d'État pour l'alphabétisation fait qu'on est les coubelles bien bas devant nouvelle la mort professeur Yves Desjeans. Jeudi 29 mars là, beau 3h dans l'après-midi, après le fait plusieurs années à souffrir à qui ont maladie. Professeur Yves Desjeans, c'est une namoun qui travaille à produit en pile dans la langue créole là. Pendant 70 années dans la ville, les goumets pour y arriver respecter droit linguistique peuple haïtien dans la langue créole la vraie place li mérité dans la société.
à cause bataille il était mené, il était obligé de prendre exil dans l'année 1967 dans pays États-Unis côté il fait diverses études universitaires. Après 1986, Yves Desjans retournait dans le pays. Il travaillait comme professeur dans l'Université de l'État et puis participait dans la création du secrétariat d'État pour l'alphabétisation en 1994. L'autre information, député circonscription Thomas Sicla, Francisque Delacruz, dit qu'il y a une nécessité jeudi pour gagner un remaniement dans le cabinet ministériel. Là. Le parlementaire a estimé qu'il y a plusieurs ministres qui n'ont pas appliqué fait des routes de gouvernement Tebayo, ce qui la cause plaignant dans mi-temps population. Hein, devant situation ça, député Francisque Delacruz souhaitait qu'il y ait un remaniement qui fait pour président Jovenel Moïse capable de répondre à la promesse qu'en palite fait population. Hein, selon précision de micro TNH. Remaniement, président lui-même, il y a une volonté pour capable de faire parce que nous avons un problème avec le résultat du gouvernement. Certains ministres, nous connaissons dans le gouvernement qui n'ont pas de résultat. Nous-mêmes, comme députés sénateurs, nous sentons que nous ne pas sentis à l'aise parce que nous pas atterri vraiment. Donc, c'est parce que nous connaissons pas de résultat et nous avons espéré. Député circonscription font verrette là, Pierre Jude Destiné avec député circonscription Chambellan, Jackie Guerrier exprimé satisfaction yo après exécutif là, fin installé membre comité pilotage état généraux sectoriel là. Des parlementaires ont parlé sous nécessité pour gagner chita parler en toute petite nation hein, pour y rejoindre une entente dans l'intérêt national. Là. Député Guerrier avec député Destiné, tenant micro, Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Comité de pilotage des États généraux de la nation qui prend naissance mercredi dernier dans le palais national que le président Jovenel Moïse, ce chef d'État de la nation, ça. Les météo là, il va au mandat, il va en mission, il travaille pour 6 mois, il est capable de produire un travail. Côté gagner un pacte capable de garantir stabilité politique, sociale, économique et culturelle dans le pays. Pour le travail, je pense que le président est supposé avoir l'agenda, il est supposé avoir le mandat. Ce n'est pas moi-même qui ai dit mes mandats, commission. Moi-même, ça, je connais que la commission est supposée utile pour avoir problème économique, problème social, nous gagnons, problème culturel, problème politique dans le pays. Ça va permettre pour toute couche sociale, chita, pour nous capables de résoudre tout problème. C'est une belle initiative parce que nous gagnons un pile leader politique. Et qui a prôné depuis des années et idée ça. Mais nous connaissons un pile de monde qui vient, qui parle, il n'y a pas jamais fait action, mais au moins et nous avons un chef d'État qui prend décision et les lancer un comité pilotage des États généraux sectoriels. Et raison, nous dit c'est un bon bagaille, quoi. Nous avons fait référence avec un pile de pays qui viennent gagner pro démocratie la caillou qui gagne gros économie et yo toujours c'est une série de décisions comme ça qui te comprend et nous avons pris exemple et République dominicaine qui tout près noir n'a pas songé là récemment avant Balaguer non songé dans qui état ces domaines mais c'est yo te chita ensemble yo te dit mais qui orientation y a bay pays yo et jodi an non même en tant que haïtien qui partage même il avec yo nos témoins émergence yo c'est parce que gen un groupe d'hommes et femmes d'état qui chita dans différents secteurs yo di mais qui orientation y a bay République dominicaine et retombéan n'a pas une série de résultats positifs. Sous initiative Bureau, Première Dame République, là, Fonds Assistance Économique et Sociale FAES, distribué kit alimentaire dans plusieurs quartiers pendant week-end Pâques-là. Il y a un geste solidarité dans l'occasion fête Pâques-là. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Distribution kit ça visé pour bail quelques familles qui n'ont pas moyen, possibilité pour manger la caillou pendant fête Pâques-là. C'est une initiative Première Dame République Martine Moïse à travers Fonds Assistance Économique et Sociale. Distribution qui s'est faite dans la commune Carrefour, Pétionville, Tabar et Thomasin. Moi, je viens de manger. Est-ce qu'on veut manger? Oui. Qui est-ce qu'on veut faire? On va manger. Rapidement quand même, oui.
La bien, c'est moi, c'est une petite madame. Nous aimons ça parce que nous allons manger aujourd'hui pour nous manger. Je dis merci. On va manger la première fois. Pourquoi pas que l'on ne prévoit rien pour manger? Non, non. Mais qui sont les petits gens qui vont faire ça au quoi? Je dis merci beaucoup. Kitsao gen la donne plusieurs produits alimentaires tant que du riz, l'huile et spaghetti avec pâte tomate. L'autre nouvelle, la police a arrêté plusieurs individus parmi eux dans la zone Gantier qui étaient portés des armes illégales. Quatre lots dans la commune Léogane, c'est bilan. Opération direction départementale Ouest PNH présentée lundi 10 avril là, après week-end Pâques-là. Directeur départemental Ouest là, Berson Soljour, qui dit qu'il n'y a pas enregistré aucun monde qui mourit dans le cadre d'opération Sayo, fait qu'on est bilan ça a montré engagement à disposition police nationale d'Haïti prend pour tébaille population en sécurité pendant week-end Pâques là. En suivant yon bout dans déclaration dans micro d'Aline Dorival avec Moïse Wilbridge. La police nationale fait 7 arrestations, 2 hier soir dans Gantier, zone Galette Chambon, côté c'est un individu qui a interpellé avec une arme factice et qui était un complice avec elle. C'est suite de plaintes que nous avons recevoir de monde qui ont tapé braqué. Et dans Léogane, il y a 5 arrestations, dont 4 pour voie de fait, donc c'était problème qui était gagné dans le cas d'activité pour voie de fait, et gagné une qui est interpellé, c'est dans tentative de vol de téléphone. Donc les populations ont été interpellées et remettent la police. Donc en ensemble, son bilan satisfaisant. Donc la police nationale, encore une fois, a montré capacité pour être capable de gérer grand événement. Commissaire Berson Soljour qui tape réagi sous dossier disparition. Journaliste Vladimir Le Gagnon a précisé. Bureau affaires criminelles dans niveau direction centrale police judiciaire travaille pour Kounia sous dossier ça. Commissaire Soljour a porté plus d'explications dans le micro d'Aline Dorival avec Moïse Wilbridge. Direction départementale de l'Ouest à travers la section départementale de la police judiciaire et appuyée d'ensemble d'unités sous Amdakadi commandement et DGPNH par rapport à l'information que nous avons gagnée certainement qui t'a fait comprendre que journaliste a été tué et que Col t'a des parties dans Col ou encore cadavre t'a retrouvé dans des zones à proximité de Grand Ravine et très rapidement nous t'es pris en disposition pour que nous t'es capable d'intervenir dans la zone ça au fin pour nous rechercher et capable de récupérer le cadavre. Ça. Donc, nous avons des informations déjà. Nous n'avons pas joint le cadavre, nous joignons des ossements et puis la police accompagnée de police judiciaire, donc c'est les polices scientifiques, hein, techniciens étaient avec nous. Donc, ensemble d'éléments, ça, nous prenons, nous récupérons dans la main des CPJ, donc police scientifique à la disposition de la justice pour suite enquête là. Nous arrivons au moment pour nous prendre une pause, nous retournons dans le budget. Actualité à poursuivre, coordination Alternativa Haïti dans tête collée avec groupe Action Francophone pour Environnement, GAF, lancé lundi 10 avril, la 4e édition Village Alternativa. C'est une activité qui a déroulé 6 à 7 avril dans la commune Inch et dans Bassinzim. Activité ça a visé réunit plusieurs projets avec mouvement alternatif local dans l'île changement climatique. Un reportage Falland Delphin avec Darly Laurent Jean-Jacques. Exposition semences locales avec photos, projection documentaire, conférence débat sur changement climatique, éducation sur environnement, visite guidée, témoignage, c'est diverses activités qui prévoient dans la programmation 4e édition Village Alternativa dans le plateau central. C'est à l'occasion pour plusieurs acteurs dans différents secteurs de la société, avec représentants d'organisations, associations, institutions publiques ou privées réunies pour réveiller la conscience citoyenne sur l'importance et la responsabilité dans la préservation de la planète. Malgré ce thème agriculture qui a 104e édition, ça n'a pas empêché plaidoyer pour stopper production, importation et utilisation de produits en fomio campé, d'après président groupe Action Francophone pour Environnement, David Tillus. À travers Village Alternative,
Atiba, participants et organisateurs sont capables de proposer de nouvelles solutions sur l'énergie, l'alimentation, la gestion fatra et puis exiger l'État à prendre des décisions sur l'urgence, transition écologique et énergétique dans le pays. La 4e édition permet pour nous capables de consolider le mouvement Alternatiba. Ça, c'est le premier bagage. Deuxièmement, synergie capable de gagner dans 3 éditions qui ont réalisées. Nous allons vivre ça dans la 4e édition. Parce qu'il y a bien monde, des acteurs qui étaient là dans deux et première édition qui étaient faites dans Keskov, troisième édition qui est faite dans Saint-Soleil, acteurs ça, ils vont descendre pour continuer le travail avec le collectif Alternatiba dans la 4e édition. Et ensemble, il y a un ensemble d'actions stratégiques qui ont défini sur le territoire. Côté que les gens qui étaient en Alternatiba déjà, les gens qui étaient déjà vivent Alternatiba déjà, ils vont témoigner sur qui ce mouvement ça a apporté. Pour yo, le fait que vous appartenez sous territoire, dans l'organisation, la caillou qui s'est changé. Mouvement citoyen ça qui prend naissance dans le continent Europe là pour appliquer la résolution qui te prend leur COP 21. Hein? Déjà recevoir plus de 9000 visiteurs avec une centaine d'exposants dans 3 dernières éditions Village Alternatiba qui te fait 15 coffres avec Cité Soleil. Vous recevoir tout 61 initiatives sur l'environnement avec diverses rencontres avec les locaux. Nous allons parler santé, ministère santé publique en tête collée avec député Léo Ganlan, Jean-Ruisson, Hippolyte, Clotiré. 3 jours clinique mobile, YOTAP organisé dans l'occasion Fête Pâques-là. Cérémonie Clotissa déroulée dans le lycée Anakaona, Léo Gan. Colo Elisère, Stéphane Eveya avec Michaud Joseph a présenté un reportage. Administration Moïse et gouvernement Lafontaine a continué le travail pour améliorer les conditions de la santé population. Dans ce sens, moun Léogan kap fè face à gros difficultés, commencé joindre amélioration dans domaine ça, d'après ministre santé publique et population Marie Greta Wa Clément. On connaît que depuis quelque temps, ministère santé publique commencé un programme de clinique mobile les samedis, mais Léogan fois ça, c'est un plus gros événement, c'est un plus gros événement encore parce que nous t'ai vlé avec député Hippolyte pour Léogan couvrir 3 jours, jeudi saint, vendredi saint, samedi de l'eau bénite. Nous comptons pour qui ça, c'est parce que dans l'époque, ça, c'est fête dans les organes particulièrement à cause de la guerre. Donc nous voulons faire 3 jours clinique mobile. Ça, en plus de clinique mobile, là, nous avons mobilisé ambulance camion que nous sommes capables de faire dans la pour si tu as des urgences qui méritaient transférer l'hôpital. Donc, aujourd'hui, ces derniers jours cliniques mobiles, et nous sommes capables de dire que nous avons à peu près, pour 3 jours, plus de 2000 personnes. Député Léo Gannan, Jean-Wilson Hippolyte, qui a participé dans l'activité clinique mobile, a renouvelé l'engagement pour continuer le travail avec l'autre autorité dans l'État pour permettre à la population Léo Gann de joindre diverses autres qualités de service. Avec un sentiment de fierté, un sentiment de joie, vraiment. Et accueilli gros événement ça dans la commune Léogan. Lorsque nous avons gagné information, le ministre a fait un pile effort pour te joindre moi, pour te annoncer que faut nous faire chita ensemble parce que nous avons parlé de misère de la population léoganaise dans le problème de santé que nous avons gagné. Nous avons gardé parce que nous avons une rubrique dans le ministère là. L'État est compté à travers le pays. Et organiser des cliniques mobiles. Et bien, le tour de Léogan, nous avons choisi vraiment et période ça, qui c'est période pascale là, pour que dans le moment rara, moment festivité ça, que nous connaissons en pile cas qui tape nécessité et soins santé. Donc, nous avons choisi dans le moment ça pour nous faire. Malade qui est sorti dans différentes zones dans la commune, nous avons eu l'occasion de recevoir des médicaments qui ont été réclamés. Quelques nan yo te profiter remercier initiateur pour ge ça et puis mander accompagnement dans tout l'autre domaine. Malade dans estomac, ti moun mwen gen bouton gen ver, nous jeune médicament faire asthmatique tout, nous jeune médicament gratis ti chéri. Par contre encore pour bon bay gratis ti chéri n'a bwa nan bi ba nous santé. Son pièce win prend soin parce que nan temps ça on vivre dans malheureux pas qu'à l'hôpital. Sou pa gen kòp dé pou déposer gen droit mwen. Son pièces mes amis. Ba un gros bravo pour Jean-Wilson Hippolyte. Mwen mè sa mwen merci docteur yo et pou protéger que pour bon Dieu bénir nous. M'a prié pour nous tout. Finissement clinique mobile la té occasion pour autorité yo annoncer population Léogan en pile l'autre projet qui visait développement commune ça.
Association médicale haïtienne ak homéopathe sans frontières émet première promotion yo certificat semaine passée dans cadre d'un programme spécialisation dans domaine médecine homéopathe ça yo relé en français médecine homéopathique pendant cérémonie remise diplôme ça qui déroulé dans local AMH 12 professionnels dans domaine médical recevoir diplôme yo parmi yo plusieurs infirmiers. Son satisfaction énorme que lié, c'est premier sous spécialisation, c'est un cours qui fait pour médecins qui licenciés, puis au cas et en sous spécialisation en médecine homéopathique, c'est un immense joie parce que nous t'ai fait expérience clinique avec eux et nous t'ai Jean qui en pile le médicament traitement était qu'on fait qui pas gain effet secondaire qui aider en pile cas en pile maladie et nous content que été choisi nous 12 professionnels médical ça pour que nous suivre nous faire sous spécialisation ça. Médecine homéopathique dans son médecine qui utilisait la loi de similitude, c'est-à-dire médicament que utilisé yo gain des similarités avec on nous dit symptômes que on a présenté hein. Et pour exemple on nous dit dans médecine homéopathique c'est mon en soi au traité, c'est-à-dire ou aider système défensif mon en renforcer pour mon en cas au cas dit dans une manière ou d'une autre pour ces maladies en dehors d'aider avec ça. C'est-à-dire pendant qu'on pratique médecine homéopathique là, il pas empêcher nous-mêmes qui médecins pratiquer médecine allopathique là tout. Objectif que nous baï tête nous, c'est ça que fait nous gain temps commencer faire compromis avec Homeopathy Without Borders, c'est que nous pas voulons que s'arrêter nous-mêmes seulement, nous voulons pour ça continuer avec d'autres générations. C'est peut-être ça que nous gain temps engager nous pour que yo ka choisi 12 autres médecins pour que nous gagnions une nouvelle session qui commençait en septembre. Mais à part de ça, tout, nous baillons tête, non, parce que nous-mêmes, 12 saillots, nous affiliés, nous avons créé l'association homéopathe. Alors nous baillons tête, non, et obligation pour ne pas seulement rester dans un seul endroit, mais même deux mois, chaque 3 mois, pour l'année, dans un endroit côté qui besoin d'aide pour nous baillons assistance médicale. Non. Étudiant dans l'Université de l'État d'Haïti, salué décision, président de la République, la Jovenel Moïse prend pour mettre sous pied comité pilotage AC, secrétariat technique, organisation État généraux sectoriel. Étudiant Sayodi a souhaité comité pilotage là, rivé, réuni toute secteur dans vie nationale là pour poser problème et puis joindre bon gens façon pour développer pays. Reportage Paki Sainte-Croix avec Michel Joseph. Étudiant Sayo cap étudier sciences politiques dans l'Institut national d'administration et gestion haute études INAGE salue démarche président République Jovenel Moïse l'elle décider former comité pilotage ak secrétariat technique organisation état généraux sectoriel là. Étudiant yo de notre côté souhaitait comité arriver rempli mission comme ça doit. C'est chita avec tout secteur clé en dans pays. C'est chita avec les associations des CASEC, magistrats, société paysanne, etc., les partis politiques, pour essayer d'identifier ensemble des problèmes que le pays a fait face et venir avec des recommandations. Et si je dis au gouvernement place à prendre quelle mesure, à prendre une telle décision, pour mettre sous place en place un état généraux, donc ça, c'est vraiment lourd, ça montre vraiment que des volontés pour capables de réformer le système. Et pour réformer le système, c'est à partir des idées, c'est à partir des conférences nationales pour capables de réformer le système. Ça montre que vous voulez porter un changement au niveau politique, au niveau économique et social même en Haïti. Étudiants ont encouragé le comité pilotage là pour rencontrer tout secteur dans la vie nationale là. Dans l'idée pour bailler pays a une autre orientation. Si tout le monde mettait des pieds ensemble et puis bagne complètement divergence dans tout secteur, et puis nous sûr avoir une amélioration. Ça que nous t'a souhaité pour pays c'est bannir totalement toute divergence qui pas mener nous en quelque côté. Son bail qui est tout à fait normal vu avec genre de problèmes que nous avons confronté dans la société de nos jours. Le fait que choisir prendre des mesures pour répondre avec un ensemble de besoins, un ensemble de bagages de société à résoudre des problèmes, je pense que c'est normal. Mais le problème qui se pose, c'est que et comment ça fait et qui suivi. Comité pilotage État généraux sectoriel là, gagne 6 mois pour produire et puis remettre le président de la République là, un pacte pour stabilité et progrès socio-économique. Pays d'Haïti. Sous initiative Mairie l'Asile, bureau député Léman Premier, avec bureau sénateur France Nadeni, s'organisait 9e édition Rara
dans l'asile. Pendant la période Pascal, là, tu as gagné 19 bandes qui ont participé dans l'activité. Le comité a remis 3 prix avec meilleur banyo. Premier prix à 50 000 gouttes, deuxième prix à 35 000 gouttes, troisième prix à 25 000 gouttes. Chaque banyo te joint 10 000 gouttes comme frais participation. Un extrait. En troisième position, c'est Jamais Dodo qui réalisait 43.60. Et puis, bon, qui en deuxième position, c'est Dieu devant avec 44.60. Et puis, bon, qui veut porter le maillot là. Bon, qui remporte le maillot là, c'est Racine Sabonne. C'est le moment pour nous prendre une autre pause. Amis téléspectateurs, pas débrancher, Naptoulin. Nous retournons après pause là. Parti politique rassemblé pour sauver la caille Parasol Salier. Lundi 10 avril, la décision président République là, Jovenel Moïse, avec chef gouvernement. Jacques Guy Lafontaine qui formait comité pilotage État sectoriel Nation 1. Démarche ça, d'après président Parasol, là, Yvan Bonhomme, montrer volonté chef l'État pour qu'un BPIA sur route la paix et unité. En suivant, yon extrait dans la déclaration Yvan Bonhomme, Namiko Midrey Milias et l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Nous-mêmes, nous avons identifié des points qui marquaient nationalisme éclairé et avancé président Jovenel Moïse. Un, il rétablit nos monnaies nationales. Là. Ça, c'est acte nationaliste. Qui croit dans le pays, qui croit dans la devise, qui croit dans l'existence territoire, existence nous d'abord en tant que peuple. Deuxièmement, le président Jovenel Moïse, aussi avec son premier ministre, il a rétabli l'armée d'Haïti, FADH, parce que le état-major de l'armée a rétabli. Donc, le président Jovenel Moïse comprend effectivement ou pas qu'à une nation, son pas qu'à défendre le territoire, son pas qu'à protéger le peuple ou la caillou. Et toute grande économie qui existait, yo, donc nous, ils ouais, ont tout gagné, ils ont l'armée derrière eux. Les États-Unis, la France, le Canada ou bien l'Europe, ils ont tout bon l'armée derrière eux. Donc, si vous regardez même ce qui a passé actuellement en Turquie, toute économie, ils ont tout bon l'armée derrière eux. Et pour nous faire route progrès, l'armée d'Haïti est inévitable. Et Jean-Président Jovenel, ensemble avec le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, ils ont rétabli l'armée d'Haïti dans le service. Et nous-mêmes, nous disons de bonne guerre, encore plus son l'armée qui va contribuer, aider des jeunes femmes, jeunes garçons, suspendre partie qui était payée pour des raisons bien-être, mais pour être travail dans le service. Responsable de l'école Haïti électronique, là, Augustin Féliton, clôturé jeudi 29 mars, là, en semaine séminaire formation. Dans le domaine escanner machine et réparation radiateur qui était déroulé non en local Haïti électromécanique là, Santo 25, commune Croix des Bouquets. Colo Eliezer et Joseph Michaud a présenté un reportage. Environ 24 jeunes garçons qui recevaient formation dans le domaine escanner machine toute qualité à réparer radiateur. Directeur établissement Augustin Feliton a profité de dresser un bilan sur l'activité réalisée et puis demander Génio accorder plus d'importance à l'étude. Un pays, côté un paquet de jeunes garçons a quitté le pays, a plongé Chili, a plongé Brésil. Les vins gardent tout le bagage, ça me dit bon, il faut que moi-même commence un bagage. Qui ça me dit que dans la tête, c'est faire une caravane technique, alors nous ne parlons pas de politique. Mais moi, ce qui est dans la tête, c'est faire une caravane technique. La caravane technique, là, c'est former un paquet de jeunes garçons. Parce que nous avons un pays qui vierge. Machine n'a pas de douanes chaque jour, il y a une machine chaque jour. Machine n'a pas de panne chaque jour. De nos jours, en pile machine campée cause des problèmes diagnostiques. Pour utiliser le scanner, ça va. Pour une machine pour un client, le client a besoin de $150 américains, $200 américains. Mais je ne veux dire, un paquet de campé, nous pas qu'à faire diagnostic parce que les jeunes garçons ne sont pas formés, les jeunes mécaniciens ne sont pas formés. Professeur Hubert Michel rappelait l'importance à quoi la profession technique qui a gagné dans la société, spécialement électromécanique. Là, les souhaités participants arriver jouent une possibilité pour appliquer ça à apprendre. Le but de la nouvelle technologie, étant donné les véhicules qu'on a sur le marché aujourd'hui, est surtout de contrôler les émissions polluantes qu'on trouve dans beaucoup de villes. Dû au fait que le contrôle des émissions ne peut pas être fait autre qu'avec des outils sophistiqués.
C'est avec grand plaisir que j'ai eu l'honneur d'être invité par Mme Hilaire et M. Augustin, dont on fait une panoplie de sortes d'outils de tous les départements, autant côté diagnostic, côté électricité. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'outils manquants concernant le diagnostic électricité. Électricité, je crois qu'on a fait une belle tournée avec les étudiants et puis ils ont pu se rendre compte qu'on peut faire des diagnostics très rapides en peu de temps et contrôler la sécurité des gens au pays avec les véhicules qu'on trouve sur le chemin. On a discuté d'informatique, d'électricité, de suspension. On a des tableaux. On a fait beaucoup de tableaux sur les maintenances importantes qu'on doit faire sur des véhicules ici au pays. Toujours le but de sécurité au public, sécurité et pollution. Des grands problèmes qu'on trouve dans différents pays, même au Canada, dont on a fait un grand partage. Et puis, j'espère de pouvoir être encore pouvoir revenir ici au pays et puis continuer à montrer à la nouvelle génération de jeunes c'est quoi la nouvelle technologie. C'était l'occasion pour le directeur de tout pour inviter les jeunes à apprendre un métier qui, d'après lui, c'est le seul moyen pour assurer l'avenir et puis combattre le phénomène de pauvreté. Nous allons voir l'actualité à Piloin Lakay. Rwini Madikizela Mandela, ancien madame Nelson Mandela, rend dernier souffle lundi 10 avril. Dans l'âge 81 l'année, Rwini Madikizela Mandela est passé en pile temps malade d'après yon communiqué entourage Rwini Mandela. Mettez d'ailleurs en suivant. C'est avec un pile regret Afrique Sud pour annoncer l'homme ancien madame Nelson Mandela qui mourit à l'âge 81 l'année dans l'hôpital Milpot. Hospital dans Johannesburg. Tout route dans Zamo, Winifred Zaïwe Madikizela, qui est sinon Winnie, était inséparable avec le premier président noir Afrique là, qui passait 38 l'année le côté Nelson Mandela, spécialement 27 ans prison ancien président. Winnie Madikizela fête 26 septembre dans l'année 1936 dans la province Cap Oriental Sud-Afrique. Il décroché un diplôme dans le domaine travail social qui était un piga pour femmes noires à l'époque. Il est marié avec Nelson Mandela dans le mois de juin dans l'année 1958 à 21 l'année, qui était embarrassé le plus avec l'engagement politique maril. Winnie Madikizela était un des gens qui était engagé pour lutter contre le régime raciste blanc dans l'Afrique du Sud. Le président en sortant égyptien Abdel Fattah al-Sisi réélu lundi 10 avril là. Avec 97,08% voyou, président autorité nationale élection yo, Lachine Ibrahim précisé taux participation en 41,5%. On suit. Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, réélu pour un deuxième mandat à 97,08% suffrage.